Bonjour et bienvenue sur laprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une capture vidéo de votre écran. Par exemple, si vous souhaitez faire une vidéo, donc on peut utiliser un logiciel qui s'appelle CamStudio ou bien le logiciel qui a été proposé par laprof.fr. Donc moi, CamStudio, je trouve que c'est une application simple. Donc pour la télécharger, il suffit juste de taper CamStudio. Ceci. Vous arrivez directement sur le site officiel, vous cliquez dessus, camstudio.org. Ensuite, vous descendez en bas, et là, vous avez le lien pour télécharger. Vous cliquez dessus, vous patientez, là, il vous dit votre téléchargement débutera dans 2 secondes. Vous patientez, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher comme ceci. Il suffit d'enregistrer votre fichier. Vous le mettez par exemple dans le bureau, mes documents et ainsi de suite, comme vous le souhaitez. Vous l'enregistrez, moi je l'avais déjà téléchargé, je l'avais déjà installé. Vous le téléchargez, vous l'installez. Alors le but maintenant, quand vous le téléchargez, comment le programmer, comment le configurer. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc là, il suffit, pour commencer, il suffit d'aller dans Options. Et là, vous cochez la case Enregistrer à partir de microphone. Si vous appuyez directement sur la touche sur enregistrer, là vous allez avoir en fait la vidéo mais sans le son. Donc on met enregistrer à partir de microphone. En plus de ça, ici dans la région, si vous laissez comme ça, vous allez avoir une petite, en fait il va enregistrer juste une petite fenêtre. Si vous sélectionnez région, c'est-à-dire c'est à vous de définir qu'est-ce que vous souhaitez, la région que vous souhaitez capturer. Alors si vous couchez la case, enfin la ligne plein écran, là il va capturer tout ce qui est affiché sur votre écran. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur enregistrer à la région. Je vais définir une région, une petite région. Enregistrer. Alors je vais faire ça. Et là l'enregistrement il commence. Ensuite, vous cliquez sur stop. Et là il va vous proposer d'enregistrer la vidéo. Vous choisissez où vous souhaitez enregistrer votre vidéo. Vous cliquez sur enregistrer et le tour est joué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien été utile. À très bientôt. Au revoir.